Jésus est ma vie, Jésus mon sauveur, je le glorifie, il est mon Seigneur, alléluia Jésus, mon fidèle compagnon, dans son amour Jésus, me conduit dans son royaume, il est la lumière sur la route de ma vie, alléluia, que mon cœur en prière puisse attendre jour et nuit. Chapitre 46, lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 46, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance.
Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Oh oui, encore, encore, une fois Seigneur, encore, encore, une fois Seigneur. Oh moi j'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif du Dieu vivant. Oh oui, encore, une fois Seigneur. Oh oui, encore, une fois c'est oh, moi j'ai soif, du Dieu vivant. Oh, moi j'ai soif, du Dieu vivant. Nous avons soif de toi, notre Père et notre Dieu. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir réellement être à toi et de réaliser combien, Seigneur Jésus, tu prends tellement soin de nous et tu veilles sur chacun de nos pères. Oh Seigneur, notre Père, vraiment tu es merveilleux. Et nous te disons encore merci. C'est pour ça que nos cœurs se lancent vers toi pour réellement nous laisser soumettre à toi et t'obéir vraiment dans ta parole à toi, comme tu l'as dit, selon ce que toi tu as déclaré, bien-aimé Père. Nous voulons marcher selon ta volonté, Père. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons marcher selon ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est vraiment ta volonté à toi. Ce soir, merci Père de nous avoir permis d'être rassemblés encore en ce jour avec ce peuple qui est à toi. Regarde l'allégresse et la joie, Père du Mission, que ton peuple manifeste d'être dans ta maison à toi et surtout de pouvoir aussi te glorifier et pouvoir t'adorer et t'exalter encore pour les hauts faits que tu as fait pour être un Père Saint-Dieu. Seigneur Jésus, cela touche aussi les cœurs, mon Père, que tu le bénisses richement, Père Saint-Dieu, que tu te souviennes encore de chacun d'eux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tant les enfants que les jeunes sœurs, Père de Mission, jeunes frères aussi, et les frères et sœurs, parce que c'est ton peuple qui est à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Il te loue parce qu'il a vraiment cette espérance en toi, il se confie en toi parce qu'il a en toi, Père de Mission, la confiance à voir que tu es le Dieu qui aussi entend les prières, mon bien-aimé Seigneur. Nous venons avec confiance, assurance, parce que nous savons que tu es vivant, que tu as des oreilles aussi, tu entends les prières, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, Dieu, et toi, tu nous exauces aussi, bien-aimé Père Tout-Puissant. C'est pourquoi nous nous confions encore en toi. Merci pour chaque cantique qui a été chanté. Merci encore pour tout le bienfait que tu as fait, Seigneur. Nous te disons merci, mon Dieu, parce que tu es vivant, Père. Merci pour ce que tu fais dans notre vie, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit aussi glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous disons, et chaque jour qui passe ne se ressemble pas. Et un jour enfante, un autre jour avec aussi des événements qui se succèdent aussi. Mais ce dont nous avons l'assurance, c'est que notre Dieu a toutes choses sous son contrôle. Il fait toutes choses pour le bien de tout un chacun de nous. Nous le remercions parce que quand on vient dans ce monde ici, on ne demande pas, mais c'est lui effectivement aussi qui permet que nous puissions venir dans ce monde. Et si il est celui qui a décidé de pouvoir nous donner la vie dans ce monde, il a aussi le droit de pouvoir aussi décider de nous ôter aussi la vie. C'est son droit de pouvoir faire ce qu'il veut, parce qu'il est l'auteur de tout en fait. Il n'a pas de compte à nous rendre. Et c'est pour ça que, peu importe la situation, l'état dans lequel on peut se trouver, on ne doit jamais se révolter contre Dieu. Parce que Dieu ne nous doit absolument rien. Tout ce que nous sommes, c'est lui qui l'a voulu que nous soyons. Et tous les jours de notre vie aussi, c'est celui ici qui prend soin de nous et qui manifeste effectivement aussi sa miséricorde et sa grâce aussi et sa bonté. C'est pour ça que nous qui sommes donc des croyants, nous devons donc apprendre à pouvoir le célébrer dans toutes les circonstances. Ça soit dans les bons, dans les mauvais jours. Nous devons simplement louer l'Éternel et le célébrer, même avec des larmes. C'est sûr et certain, parce que nous disons simplement merci pour
nous a donné la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie et aussi les membres de famille également. Et s'il a décidé de pouvoir le reprendre, nous voulons simplement nous agenouiller et lui dire que ton Saint-Nom soit béni et que ta volonté soit faite. Nous exprimons nos très sincères condoléances et la douleur du cœur aussi à notre sœur Rebecca qui a chanté ici, et aussi notre sœur Déborah et notre sœur Wivin. Ils ont aussi un frère qui est Emmanuel, qui aujourd'hui sont éprouvés parce qu'ils viennent de perdre leur père. C'est sont des moments tellement difficiles pour ces enfants. Je crois que nous remercions Dieu de voir le courage. Vraiment, c'est un témoignage vrai. Nous remercions Dieu de pouvoir les avoir aussi. Et il est vraiment un père. Comme on dit, le père des orphelins, c'est lui. Il prend soin. Ses soucis, effectivement, aussi. Ce sont des moments très difficiles, à moins qu'on ne soit pas humain. Ou qu'on trouve cela comme si c'est normal. Mais passer par là où son passé qui passe jusqu'à aujourd'hui, je crois que tout un chacun de nous, nous devons avoir quand même dans notre cœur cette tristesse aussi à leur endroit. Ce sont encore des enfants d'une certaine manière qui avaient besoin d'être entourés. Je crois que c'est comme cela. Est-ce qu'on veut toujours garder les nôtres jusqu'à notre vieillesse? Mais dans le parcours que nous sommes, nous ne savons pas ce qui nous réserve en fait au devant de nous. Mais la Bible nous fait savoir qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent aussi. Nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, qui est le Dieu de compassion et qui prend soin, puisse vraiment le consoler et prendre soin. Vous savez, même si c'est une personne que vous n'avez plus vue pendant des années, aussi longtemps qu'il est en vie, vous sentez qu'il y a une présence. Et lorsqu'il s'en va, vous commencez à vous poser des questions. Vous réalisez l'importance de la personne. C'est pour ça que, aussi longtemps que Dieu nous accorde la grâce, car nous avons des parents, nous avons des frères, nous avons tous ceux qui sont encore le nôtre vivant, veillons à pouvoir aussi les avoir aussi. C'est-à-dire être en contact avec eux, leur parler aussi, pour ne pas que vous ayez de remords un jour. En disant, oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé avec lui. Aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie et la grâce. Parce que tout dépend de nous. Soyez en paix avec tous. Pour autant que cela dépende. C'est biblique cela. Avoir ces sentiments parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et nous devons montrer aussi à ceux-là que nous avons quelque chose de plus. Que nous voulons aussi vous apporter. C'est ce que Christ a fait pour nous. Que le Seigneur bénisse nos sœurs. Nous allons prier pour eux aussi. Et nous avons aussi notre sœur, oui. Notre sœur Alice, qui a aussi également perdu aussi sa tante, c'est-à-dire la sœur de sa mère. C'est toute une personne qui leur a été aussi d'une aide exceptionnelle aussi, parce que il était toujours là et soutenant aussi la maman. Et pour elle aussi, quand elle est même partie en Afrique, je pense, elle était la personne auquel elle s'est référée aussi. Donc c'est une prêtresse. Nous voulons prier pour elle aussi, que le Seigneur vraiment aussi le console et l'assiste aussi. Notre frère Koulibaly aussi, qui a perdu aussi sa tante. Nous remercions Dieu pour toutes choses. Vous voyez, frères et sœurs, que la vie est éphémère. J'ai pensé et je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur,
Il faut être bon avec les hommes. Ça ne sert à rien d'être méchant avec les gens. C'est la vérité. Peu importe ce qu'ils peuvent être, mais vous soyez dégagés dans votre cœur. Je crois que le Seigneur a vraiment raison. Quand il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Parce que la personne que vous détestez, le jour où il mourra, vous vous sentirez redevable d'une personne. Il faut se dégager maintenant. Et puis quand on regarde le parcours des hommes sur la terre, c'est triste, c'est tellement triste. Il dit, Seigneur, aujourd'hui l'homme ou la personne qui est décédée est là dans un cercueil. Les maisons ne sont pas là. Les voitures ne sont pas là. Tu peux avoir, il peut avoir des voitures, des maisons et tout, mais dans le cercueil, tu pars sans rien. Et Dieu nous aide. Nous allons prier pour que Dieu console. Tendre Père, précieux Sauveur et Maître béni, éternel Dieu du ciel et de la terre, oh Dieu, c'est avec raison qu'on peut te louer, parce que réellement tu es l'auteur de la vie et le donateur de tout don excellent, le merveilleux, c'est toi. Quand nous sommes venus dans ce monde, Père du Bissant, Dieu, c'est par nos parents que tu as permis que nous puissions venir, mon bénévole Père Saint-Dieu. Et quand ceux-ci s'en vont, mon bénévole Père du Bissant, nous sentons un vide autour de moi, Père. Ah, Père Saint-Dieu, je te prie de pouvoir vraiment bénir et consoler notre sœur Rebecca, consoler aussi notre sœur Déborah, Père Saint-Dieu, cet enfant, consoler aussi notre sœur aussi, Vladimir, Wivin, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous nous souvenons aussi de Manuel, bénémoine, Père Saint-Dieu. Ce sont les enfants de ta servante, mon bénémoine, Vladimir. Mon Dieu, je te remercie, Père. Aujourd'hui, Seigneur, ces enfants ont passé par des moments tellement difficiles. Seigneur Jésus, ils viennent de perdre aussi leur père aujourd'hui, Père. Mon Dieu, c'est comme si la boucle est bouclée, mais tu es vivant, tu es là présent, Père du Puissant Dieu. Seigneur, ces enfants aussi sont précieux à tes yeux, à toi, Père. Je t'en supplie, mon roi, nous te supplions d'en prendre peut-être encore soin, bénémoine, Père du Puissant Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de ta parole à toi, mon bénémoine, Père du Puissant. Tu l'as dit, tu es vraiment le Père des orphelins. Et non pas chercher, mais seulement le parcours de la vie, Seigneur. L'air a réservé tellement des choses tellement difficiles, mon Père Saint. Mais montre bien, Père du Puissant, nous te remercions parce que ces enfants te connaissent, mon bénémoine, Père du Puissant. Les enfants sont à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est toi qui prends soin des mains, Père Saint-Dieu. Puisse encore continuer encore davantage, mon roi, les aider, Père. Je t'en supplie, mon bénémoine, Père Saint. Ils n'ont point un autre Dieu que toi. Il n'y a pas un autre secours qu'ils ne peuvent avoir que de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous t'implorons la grâce, que tu le bénisses, que tu le consoles, mon sauveur. Tu es vraiment le consolateur. Nous prions pour notre précieuse sœur Alice aussi, Père Saint-Dieu. Seigneur, que tu te souviennes d'elle, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que c'est aussi douloureux de perdre aussi quelqu'un à celle que vous avez beaucoup aimé aussi, Père Saint-Dieu, que vous avez vu que dans votre vie a été aussi un soutien pour vous. Seigneur Jésus, que tu la consoles et la console aussi. La maman aussi également, Père Tubissant aussi, dans ce moment difficile et d'épreuve, mon bénémoine Père. Notre frère Koulibaly aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous te prions pour lui aussi, mon Seigneur. Tu es le Dieu qui console, qui te souvient de ceux qui sont en toi, mon bénémoine Père Tubissant. Puissions encore l'aider encore davantage, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et toute la famille entière, mon sauveur. Tu es le consolateur. Souviens-toi de toute la famille qui est là-bas en Afrique. Bénémoine, en ce moment, en dehors, Père Tubissant, mais que tu le bénisses aussi, Père. Nous te rendons gloire et nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu notre soit béni et qu'il soit vraiment exalté, c'est-à-dire que nous marchons avec la pensée qu'un jour viendra où nous devrons partir. Nous le chantons, hein, ce monde n'est pas chez moi. Il faut que nous comprenions très bien que nous ne sommes pas appelés à pouvoir avoir des racines, mais nous sommes appelés à pouvoir être des voyageurs, des pèlerins. Et le pèlerinage est vrai, c'est certain depuis que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce de pouvoir être appelés de lui. Nous allons prendre une écriture courtement dans Philippiens au chapitre 3. Nous lisons cela, Philippiens au chapitre 3. Nous lisons à partir du Ah.
Bon, on commence à traduire verset 7, je vais dire un peu, il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles je renonçais à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu donc par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons te dire merci encore ce soir pour le privilège et la grâce d'être encore debout, Père, et pour pouvoir te servir et te louer et chanter aussi le chant de Sion, Père, parce que nous savons que, oh Dieu, un jour, nos yeux te verront. Aide-nous, Père Tubissant, à nous préparer de la bonne manière pour que nous puissions te voir, Père. Béni soit ton Seigneur encore pour la parole, l'écriture que nous avons lue. Aide-nous, Père Saint, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez comment cet homme de Dieu, il fait le tour de choses, effectivement, et qu'il rappelle, effectivement, ce que lui, il était, effectivement, dans sa personnalité, dans son caractère, effectivement. Et plus loin, aussi, dans les livres de Galates, il nous dit, effectivement, mais vous pouvez vous réaliser, effectivement, les zèles que j'avais dans les traditions de mes pères, effectivement. Donc, il nous fait voir, effectivement, aussi, son parcours, effectivement, comment il se sentait tellement et que, il se voyait en fait au-dessus de beaucoup de gens, effectivement, parce que il répète encore ici, effectivement, ça, de l'autre côté, à Galates, il dit, donc, dans ton zèle, effectivement, donc, il était zélé pour les traditions, effectivement, de ses pères. Et puis, dans le chapitre 3, Philippiens nous dit, quant au zèle, donc, les deux parallèles, il dit, mais quant au zèle, donc, étant donc zélé dans le de ses pères, donc, avec ces zèles-là, il dit, il était persécuteur de l'Église. Ce qui veut dire que, étant dans cette dimension où il était, il se sentait tellement, tellement tout suffisant. Donc, c'est-à-dire que, en réalité, lui, il se disait que si Dieu venait aujourd'hui, moi, Paul, je partirais. Parce que il refait part, effectivement, il dit, si quelqu'un doit se vanter, dire quelque chose, moi, le premier, parce qu'il se réfère, il dit, mais parce que je suis né, il dit ici, je pense que c'est dans, non, plus loin, ici, voilà. Moi aussi, cependant, verset 4, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Il dit bien, moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël. Donc, effectivement, il a regardé qu'il a tout respecté. Donc, il est né hébreu, donc la race d'Israël, pas la race des pharaons ou des égyptiens, non. Il dit, il est né, donc, israélien. Et puis, quant à respect de la loi, lui, huitième jour, pas quand on a circoncis. Conformément à ce qui a été dit, effectivement. Et puis, il dit, c'est considéré le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Donc, il dit, c'est pas quelqu'un qui vient non, de la tribu de Benjamin. Et puis, il insiste, il dit, mais hébreu, né d'hébreu. Donc, pas étranger, pas même qu'il y ait un petit filon de quelque chose qui peut dire que bon, ben, il y a quand même des mélanges là-bas. Non, il dit, je suis resté hébreu. Donc, depuis ma naissance, effectivement, vous vous souvenez, comme l'apôtre Pierre disait, quand la nappe tombait, depuis de ma naissance, je n'ai jamais mangé rien de souillé.
Vous voyez donc déjà, on s'est dit que dans là-bas, il a dit, mais il devait rester dans ces conditions-là, huitième jour, et ceci, donc faire tout ce qu'il fallait faire, effectivement. Et il dit, il a fait. Il dit, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, il dit, pharisien. Pour dire que c'est la secte la plus rigide, donc, c'est-à-dire que, qui était là, qui vraiment s'accrochait à tout dans le moindre détail, même en ajoutant encore ce que Moïse avait dit. Oui, c'est comme cela qu'étaient les pharisiens. Les pharisiens étaient vraiment ceux qui, quand tu le regardais, tu ne trouvais rien à reprendre, à redire, en fait. Donc, voyez-vous, hein, c'est dit qu'il a grandi pour moi au pied de Gamaliel. Il va dire, mais cet homme ici, Paul, il était vraiment, c'est-à-dire que sans se rendre compte, mais plein d'orgueil. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle l'orgueil spirituel, que je connais. Hein, je connais, c'est-à-dire, en plus, il dit, parce que lui, il était certain, se disant que dans cette situation dans laquelle je suis, moi, étant né de bon, quand on dit la lignée descendante d'Abraham, j'y suis 100%. Et puis, la circoncision, je n'y suis pas le 7e ou le 9e. Non. T'as pas au 8e jour. Donc on vérifie dans ma lignée, on va pas voir que les grands-pères, ils venaient, non, hébreu. Dans cette lignée-là, la descendance d'Abraham, comme le Seigneur avait dit, Abraham, effectivement, à Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Donc Isaac, l'enfant de la promesse, étant venu. Et Isaac, Rebecca, et puis nous avons donc Jacob, Esaïe, vous connaissez, non? Alors Dieu dit, Rebecca, comme il a fait comprendre la chose, effectivement, que l'aîné sera sujeté au second, puis il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai donc Esaïe. Alors, c'est Jacob maintenant qu'il y a eu donc la lignée. Jusque tribu donc Benjamin, il dit, bon, je suis descendu de là. C'est important. Je suis descendu de là, donc il n'y a absolument rien que vous pouvez me dire. Donc, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la connaissance de la parole, des choses de Dieu, je suis resté même là, dans l'enseignement que Moïse a eu, donc quand Moïse nous a apporté, et moi j'ai cru, et moi j'y suis. D'ailleurs, nous sommes donc des pharisiens. Donc tout ça, il nous dit que toutes ces choses-là qu'il faisait, vraiment l'orgueil de sa vie, il marchait, il se sentait que moi ici, si Dieu viendrait, je serais donc parti. C'est cela, hein, souvent nous ne nous rendons pas compte, mon frère et ma soeur, et c'est important ça. Un petit orgueil comme ça, petit. Vous savez, ça change tout. Même si c'est petit, c'est pour ça, frère, cette chose-là doit quitter chacun de nous. Même si c'est vraiment petit, elle change tout. Oui, c'est sûr. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur est en fil. Notre Seigneur, il a parlé de quelque chose de toujours très important. Ce qu'on dit, on le répète la plupart du temps, souvent, c'est-à-dire que c'est la sanctification. N'oubliez pas, mon frère et ma soeur, cette étape-là, elle est très importante aussi dans la vie d'un fils de Dieu. Même aussi que la justification, donc que Dieu te ramasse. Parce que quand il te prend, il y a toutes ces choses-là, sont là, personne. C'est pour ça que vous remarquerez très bien que aussi longtemps que vous avez toute cette nature-là, de regain, d'orgueil, de pouvoir parler du mal, c'est vrai, frères et sœurs, c'est qu'il y a encore trop de saleté dans la personne. Dieu ne peut pas être dans une personne là comme ça et traiter avec lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même quand, en ce moment, vous avez une onction, puis vous vous sentez, c'est là. Mais quand vous regardez vos réactions, c'est important. Parce que, je voudrais que vous compreniez bien, quand on parle du Saint-Esprit, vous comprenez quoi? Parce qu'on dit un certain nom, Saint-Esprit. Donc c'est un esprit qui est saint. Donc quand il est saint, il ne peut pas habiter dans un endroit sale. C'est pas possible. Quand il descend, il prend possession du territoire, alors il devient le maître. Donc chaque parcelle dont toi tu as, il doit les prendre.
C'est pour ça qu'il nous dit, mais puisque je suis saint, moi, je suis saint. Donc lui, je dis, hein, je suis saint. Et puis, vous soyez aussi saint dans toute votre foi. Voilà. C'est pourquoi que vous remarquerez très bien que la Bible nous fait savoir, nous avons toujours veillé sur notre cœur, notre intérieur, hein, et nous fait savoir qu'effectivement, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est sûr et certain. Si l'Esprit de Dieu prend possession de toi, c'est pour ça que vous comprenez très bien aussi dans Romains, hein, il nous dit une chose qui est, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi que même plus haut, il nous parle effectivement en rapport avec la différence entre ceux qui mangent selon la chair et selon l'esprit. Et plus loin aussi, on nous parle aussi que de l'homme spirituel. Vous voyez, vous vous souvenez, dans, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, je ne sais pas. Il nous a dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Vous imaginez? Mais que Dieu nous a révélé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu sonde tout. Vous voyez? Est-ce que nous comprenons que c'est... l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit, mais l'homme spirituel, oui, parce que l'homme spirituel juge de tout et il ne juge pas personne. Donc, vous voyez qu'effectivement, dans cette condition, donc, évidemment, donc, je le disais tout à l'heure, qu'effectivement, que s'il y a une parcelle d'orgueil quelque part, alors, vous avez un problème. Un problème aussi avec vous-même, parce que votre marche ne sera jamais droite. N'oubliez pas, j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, et c'est toujours pour notre bien, comme l'apôtre Paul dit, je ne sais pas de répéter cela. Cet archange était parfait. Oui, monsieur, oui, madame. Regardez comment les Écritures les décrivent, frère. Ils mettaient les sceaux à la perfection. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est trouvé en lui? Et oui, c'est l'orgueil. L'orgueil a fait qu'il chute de la position élevée où il était pour devenir dans la position la plus basse. Où son lit est devenu un lit avec des vers, des terres, c'est-à-dire que c'est simplement, vous devez faire très attention. Vous pouvez être, vous sentir, moi je suis en communion avec Dieu, et ceci et cela, hein, vous pouvez, je connais, c'est bien de connaître. Mais lorsque une petite parcelle d'orgueil, l'effet simplement, ça passe vite, hein, l'effet de pouvoir se voir moi par rapport à lui, moi par rapport à lui, lui, c'est-à-dire que toujours voir l'autre beaucoup plus inférieur que toi. Avec des regards de mépris, même si tu ne veux pas, mais en fait, ça rend tellement en toi que tu ne te rends pas compte que la personne que tu as en face de toi, tu le méprises comme un petit chien, comme tu dis qu'il n'a pas de valeur. Quand tu arrives à ce point-là, cherche la face de Dieu par des jeûnes et par la prière. Oui. Parce qu'un fils de Dieu, vous savez, le Seigneur nous instruit, nous, pour que nous puissions arriver à être selon son dessein. Il nous dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. C'est pour que toi, tu aies entendu cela, puisses combattre, hein, l'ennemi qui viendra. Pour te donner en fait l'impression que tu as une autre opinion. De dire que toi tu es. Non, quand tu sens cela, parce que nous tous ici, nous sommes combattus dans l'esprit. L'ennemi viendra dans ton esprit, en fait, effectivement, dire, tu vois en toi, tu connais. Il est toujours comme ça, hein? Mauvais, menteur. Tu vois en toi, tu connais. Et puis quand toi, tu prends cette pensée-là, alors à ce moment-là, eh ben, tu es devenu prisonnier. Il va te faire croire n'importe quoi. Il va te faire n'importe quoi. Alors que notre soeur ici n'a pas de problème avec toi. Il t'a dit seulement bonjour. Mais alors ça commence à monter. Il me prend pour qui?
Et il me dit bonjour comme ça, comme si j'étais, c'est pas moi, moi. Et quand il te regarde, toi, vraiment, sincèrement. Bon, passons un peu. Bon, vous comprenez ça. Donc, c'est pour que nous, vous savez, il faut que nous comprenions que Dieu nous aime beaucoup. Il est venu nous donner les armes vraiment pour que nous atteignions la perfection. Quand le diable regarde, il dit, mais sous toutes les coutures, il ne voit pas de défauts chez toi. C'est vrai, toi, sœur, toi, frère, tu dois arriver à ce point-là où les démons cherchent des défauts chez toi. Ils regardent sous toutes coutures. C'est la vérité. Mais il a dit, il vous perfectionnera lui-même. Tu vois, le Seigneur va le faire. Donc le diable pourra chercher des défauts, des péchés. Il ne trouvera pas. Parce que si simplement tu es obéissant à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que c'est cette voix-là qui t'aide à pouvoir comprendre qu'effectivement, que voix ici, c'est le piège de l'ennemi. Là, si madame, Satan t'aide à voir chez lui, parce que toi, tu ne vois pas l'esprit, hein, mais lui, il vient, il voit, il vient te dire maintenant, ne fais pas ça, parce que tu fais ça, il veut te coincer pour ça. Il est malin. Ah, il est malin. Alors, c'est pour ça que le Seigneur nous a bien montré comment nous devons donc combattre. C'est pour ça qu'il a dit, hein, nous le lisons aussi bien hein, dans le livre de la psaume aussi, hein, dans Josué. Et, vous connaissez cela, non? Heureux celui qui ne s'éteint pas avec les moqueurs. Hein, vous comprenez, non, hein? Et puis il nous dit encore, mais qui médite ma parole jour et nuit. Et il a dit à Josué, médite ma parole jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu... Voilà, méditer la parole de Dieu, c'est l'arme. Oui, parce que vous savez ce qu'il a dit, quand Satan vient avec une pensée, eh bien la parole de Dieu, elle ressort. Il dit, ah, il est écrit, n'ayez pas une trop opinion de moi-même. Il dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, Seigneur, aide-moi à toujours regarder l'autre qui est au-dessus. Même si j'ai la connaissance comme quoi, je ne vais pas tomber dans les pièges. C'est important, frère, ça. Je veux regarder l'autre là qui est au-dessus, soit au-dessus. Même si lui se prend, moi je me descends. Parce que lui qui monte et toi qui descends, tu es plus grand que lui. C'est vrai. Parce que vous voyez, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est comme quelque part, il a la folie. Il va poser des actes, effectivement, qui est insensé. Mais vous savez, quelqu'un qui... C'est comme on parle effectivement, okay, quelqu'un qui est lent à la colère. Et il s'empare des hommes, il maîtrise la situation, mais c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on doit... Et l'insensé, c'est rire en tout temps. C'est pour que vous puissiez voir à peu près l'orgueil et tout ceci. C'est-à-dire qu'il est tout le temps... Il y a un problème. Cette personne-là, ce n'est pas une personne... Et c'est dit, comme ça, on va me... Non. Quand vous êtes calme, effectivement, les gens vous respectent. Même, vous savez, pour que vous puissiez dans la nature, un chien qui vient, qui aboie sur vous. Il aboie comme ça, c'est pour que vous vous fouillez. Mais vous, vous restez tranquille. Et vous les regardez, vous l'avez maîtrisé. Sans avoir peur, hein? Vous restez simplement tranquille. Vous allez voir comment le chien va faire. Il veut pousser, mais parce que la force du chien, c'est quand vous fouillez. Le temps avance. C'est quand vous fouillez. Avec ce temps, il me fouille. Il dit, moi, je suis fort. Mais il vient. Tu restes seulement tranquille. Et puis, il va s'arrêter là. Pour que tu fouilles, mais tu ne fouilles pas. Il aura beau chanter maintenant, et puis après il retourne dans sa cage. C'est... Bah oui, parce que vous êtes le maître. Donc vous dominez, parce que quand vous avez votre attitude à toi, mais domine l'autre personne. C'est pour ça que quand quelqu'un vous insulte, n'entrez jamais. Eh bien oui, il va se rendre compte lui-même, la personne, qui en tout cas, je ne fais rien, puisque je suis en train de l'insulter, je dis, tu es ceci. Tu joues très calme, tu réponds rien. Puis quand il a fini, est-ce qu'on peut s'asseoir pour manger? Moi, j'étais insulté, il s'est dit, non, il n'y a pas de problème, je peux te servir. Tu lui sers encore le verre. Tu lui sers encore. Mais oui, mon frère, ma soeur, oui. Alors, vous allez voir que la personne qui vous a insulté, elle va tourner, commencer à se gratter, et puis après, il revient. En tout cas, pardonne-moi.
Mais pourquoi, quoi? Pourquoi? Mais non, parce que j'étais insulté tantôt. Mais non, c'est rien. Non, c'est quand même quelque chose. Non, ce n'est pas, c'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui est comme ça, c'est que Dieu a fait quelque chose dans la personne. Ah oui, c'est vrai, vrai, vrai. Regardez bien. Je vais terminer parce que le temps est déjà parti. Regardez bien, frères et sœurs. Moïse était un homme qui était très colérique. La névrosité de Moïse. Mais oui, c'est légendaire parce qu'il a même tué. Ah, vous connaissez bien, mais il a tué un Égyptien, hein? Bien sûr. Et puis Dieu lui a donné un peuple. Dieu sait comment travailler ses serviteurs. Il lui a donné un peuple qui était toujours très... Il s'emportait. Et puis finalement, par ce peuple-là, Dieu l'a... La Bible dit, mais il était devenu l'homme le plus doux du monde. Jusqu'à ce que les anges sont venus l'emporter. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père céleste et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour la grâce et la miséricorde que tu daignes nous accorder, Père. Nous te prions de pouvoir vraiment nous soutenir encore aujourd'hui parce que tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Père. Nous devons vraiment prendre garde, Père Saint-Dieu, et avoir des sentiments d'amour les uns pour les autres, Père Tibissant, les sentiments de respect les uns envers les autres, Père Tibissant, Dieu, les sentiments de compassion les uns envers les autres, Père Tibissant, Dieu. Père, que l'orgueil ne puisse pas nous emporter, Père Tibissant, Dieu, et nous faire penser que nous sommes plus que l'un ou l'autre, Père Tibissant, Dieu. Seigneur, tu nous as accordé tous la grâce de pouvoir être à toi, et nous te demandons le secours encore davantage, mon roi, que nous puissions supporter le faible, Père Dieu, et ne pas discuter, Père Tibissant, les opinions avec le faible, mais surtout aussi les aider encore davantage, mon roi. Donne-nous encore de pouvoir avoir cette humilité en nous, Père Saint-Dieu, cette simplicité, mon roi, pour que vraiment, Père Saint-Dieu, que le monde voit et que réellement que tu es capable de pouvoir même, Père Saint-Dieu, adoucir même un taureau, même un lion, bien aimé, Père Saint-Dieu, un homme qui était tellement aussi mauvais, Père Saint-Dieu, un homme qui était tellement si orgueilleux, monté tellement, et tout le monde savait comment l'apôtre Paul était, Père Saint-Dieu. Tout le monde savait que cet homme-là était aussi un meurtrier parce qu'il a participé au maître d'Étienne, Père Tibissant. Il était là, il tenait parce qu'il, lui, il se sentait comme il était investi de quelque chose parce qu'il avait la connaissance. L'orgueil l'a poussé tellement à aller loin, même jusqu'à persécuter l'église. Oh, c'est réjouissant, Père Tibissant, de voir comment les Sanhédrins, Père Saint-Dieu, le féliciter, tout cela, Père Saint-Dieu. Mais tu lui as accordé une grâce particulière, mon Père Saint. C'est pourquoi il pleurait toute sa vie, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Vous pouvez dire, Père Tibissant, que toutes ces choses qui était pour moi comme étant des gains, hébreu d'un hébreu, j'étais fier d'être un hébreu d'un hébreu. Oh, Dieu, il semble pas dire, c'est congé, c'est le 8e jour, passant au Dieu. Mais il a dit, mais toutes ces choses-là, je les ai regardées comme étant de la perte. Mon Dieu du ciel, mon sauveur et mon roi, tu es vraiment merveilleux. Tu sais tailler les hommes, mon bien-aimé, Père Saint. Puissiez aussi le faire aussi pour mon frère. Puissiez aussi le faire aussi pour ma sœur, afin que nous puissions nous aimer vraiment dans notre marche, Père Saint-Dieu, pour que ensemble nous puissions prier les uns pour les autres avec détermination, mon bien-aimé Père Tibissant, pour que nos voix puissent aussi être entendues, Père Saint-Dieu. Aidez-nous à avoir ces sentiments pour que nous puissions vraiment, oh Dieu, puissions prier ensemble, Père Saint-Dieu, et avoir la communion véritable ensemble, Père Saint-Dieu, lorsque nous regardons tous, Père Tibissant, au travers de ta parole à toi, Père Dieu. Bénis ton peuple, bénis-nous encore ce soir. Nous te remercions pour ce temps que tu as permis que nous puissions nous tenir encore devant ta présence et te servir encore, Père Saint. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est bon dans sa façon de faire les choses. Il manifeste sa puissance pour nous. J'ai prié que le Seigneur nous aide. Si nous pouvons aussi trouver un temps où nous pouvons nous tenir dans la maison du Seigneur, avoir vraiment des moments de louange, juste prier Dieu, juste chanter le Seigneur, le glorifier de tout notre cœur et alors entrer aussi dans la prière. Nous avons besoin de cela. Je pense, comme Dieu nous accorde aussi la grâce de pouvoir avoir ces moments de prière dans les semaines qui est à venir, nous pouvons aussi trouver un temps comme ça. Juste nous venons et nous nous asseyons et nous chantons. Et après avoir chanté, nous mettons simplement pouvoir prier.
Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, nous serons notre roi. Sous ton apôtre, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins avec toi semblent doux. Amour de Dieu, qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourrais pour nous jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, au Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, nous aurons